Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Alors, en ce dimanche, une vidéo sur une aire et un petit village qu'on a visité. Alors, c'est surtout une superbe aire parce que c'est un ancien camping. Alors, c'est une aire camping-car park, mais c'est une aire les campings de mon village. Alors, franchement, moi, j'adore parce que c'est souvent des grands emplacements avec de l'herbe, des arbres, de quoi s'abriter du soleil. Et puis, assez souvent, des sanitaires puisque, alors, il y en a qui conservent les sanitaires. Vous avez vu celle de Mirambeau où ils ont fermé des sanitaires. Mais là, les sanitaires sont restés ouverts. Donc, franchement, c'est une super aire dans un petit village qui s'appelle Grenade-sur-l'Adour. Alors, il y a l'Adour qui passe, donc ça, c'est assez joli à voir. Mais nous, on utilise cette aire surtout en transit pour rester 2-3 jours ou une nuit, par exemple. Et il y a même, vous allez voir, des services que je m'attendais pas parce que c'est quand même une aire de camping-car. Donc voilà, mais je vous en dis pas plus. Vidéo. Voici l'aire de camping-car parc de Grenade-sur-l'Adour. Alors c'est une aire qui comporte 48 places avec l'électricité à chaque emplacement et quelques robinets aussi d'eau un peu partout et une zone de vidange. Alors c'est une aire de camping-car park qui fonctionne donc avec une carte camping-car park. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous laisse aller voir notre vidéo sur Aix-les-Bains où on a vraiment expliqué en détail comment ça fonctionnait. Après, comme ça évite de répéter à chaque fois que c'est une aire camping-car park. Donc une fois que vous avez crédité, soit par téléphone, soit grâce à la borne grise, votre carte camping-car park, il suffit juste de la passer sur les petits chiffres là-haut, là le clavier. Et toujours en avançant bien votre camping-car près de la barrière, et la barrière va s'ouvrir. Donc juste à côté de l'entrée de la barrière, vous avez derrière la porte en bois une laverie en libre service, donc une machine à laver et un sèche-linge. Le prix de la machine à laver est de 5 €. Donc voici la machine à laver et le sèche-linge à côté. Le sèche-linge est en libre service gratuit et la machine est à laver et donc à 5 € comme je disais, avec des pièces de 2, 1 et 50 centimes d'euros. Et il faut fournir la lessive. Alors toujours à côté de l'entrée, sur le bâtiment à côté de l'entrée, vous avez un téléphone d'urgence en cas de problème. Là sur l'herbe, c'est réservé principe aux tentes. Voilà. Là-bas, il y a une caravane. Voilà, il y a Chouchou qui est en train de faire les patates pour ce soir. Voilà les les bornes électriques. Voilà. Et il y a des points d'eau. Alors nous, on a la chance, on a un point d'eau juste à côté. Voilà, mais il y en a un petit peu partout sur l'air. Pour l'électricité, voilà, vous avez ce genre de borne. Il faut donc lever le capot et vous avez les prises à l'intérieur. Alors à droite de l'entrée de l'aire de camping-car, vous avez un bâtiment, c'est marqué salle de détente et sur l'arrière, vous avez un barbecue qui est réservé donc aux campeurs pour faire vos grillades. Donc le barbecue à gaz est interdit, mais si vous voulez faire du barbecue à charbon, vous pouvez utiliser ce barbecue
qui est mis à votre disposition. Alors, sur cette aire de camping-car, c'est un ancien camping municipal. Du coup, vous avez de quoi faire la vaisselle. Alors, vous voyez, il y a les hommes qui sont en train de faire la vaisselle pendant que nous, on se promène. Voilà. Donc là, vous avez de quoi laver votre linge à la main pour les plus courageuses. Et puis, d'autres éviers pour la vaisselle avec eau chaude et eau froide. Même de quoi étendre, si vous voulez, laver vos draps, un grand étendoir pour étendre les grosses pièces. Alors il y a même les sanitaires, donc avec une table pour les enfants et sanitaires handicapés, les pissotières pour les hommes. Ici les toilettes pour les dames et ici les douches. Alors c'est un peu vieillot, hein, mais bon, ce n'est pas un camping, c'est une aire du camping-car, donc voilà, c'est déjà bien de trouver une aire avec des sanitaires. Alors cette aire de camping-car accepte les vannes sans sanitaire et même les tentes. Donc là encore de quoi étendre vos draps si vous voulez. Donc il y a beaucoup de stationnements à l'ombre sous les arbres. Donc il y a des stationnements qui sont sur des emplacements stabilisés, d'autres que vous pouvez utiliser sur l'herbe directement. Alors, ici vous avez l'aire de vidange des eaux grises. Alors les nouvelles stations de vidange des eaux noires avec le gros tuyau là. Alors moi je l'utilise pas, mais Thierry dit que c'est super pratique. Et puis le robinet d'eau pour rincer la cassette. Et de l'autre côté de la borne, vous avez l'eau propre pour remplir votre camping-car. Alors sur cette aire de camping-car park, vous n'avez pas besoin de la carte pour utiliser les services. Pour les poubelles, il faut ressortir de l'aire de camping-car et contourner le terrain de sport jusque tout au bout, là-bas de la rue, et ensuite vous tournez sur votre gauche et vous allez voir sur la petite place, il y a les poubelles. Pour ressortir de l'aire, c'est le même principe. Vous passez votre carte sur le même clavier, enfin, c'est pas le même, mais sur le même style de clavier. Ici, assurez-vous qu'il y a assez de crédit pour pouvoir payer votre journée de stationnement si vous êtes resté plusieurs jours. Et donc, si vous avez assez d'argent sur votre carte, la barrière va s'ouvrir et vous pourrez ressortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Grenade sur Adour, évidemment, j'ai oublié de le dire, c'est dans les Landes. Et franchement, un gros coup de cœur pour cette aire. Hein. Franchement, on y retournera parce que c'était vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, n'oubliez pas le petit pouce pour nous dire si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo dimanche prochain. Bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois. Et puis alors, vous savez, grenade sur Adour, vous allez voir, c'est explosif. C'est ça.